italien, je suis espagnol et j'ai fait en Bresse un volontaire européen. Je viens du sud d'Espagne, de Séville, concrètement. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour passer le temps. Pourquoi je voudrais étudier pour devenir professeur de philosophie permanent avec la place. Et pour ça, je nécessite du temps et prendrai l'opportunité d'aller à un autre pays et faire quelque chose que vous voulez. C'est une très bonne option. Et si c'est ce que vous voulez, c'est temps libre. Temps libre pour profiter pour une autre chose. Mais libre, non comme fait quelques hobbits. C'est libre quand vous réellement voulez espérer pour quelque chose. Et j'ai une raison aussi romantique pour être ici à France. Pourquoi avant la pandémie? Et j'habite à les Rouges-Gamelins avec ma petite amie à ce moment. Et nous voyageons sur toute l'Europe. Et à le moment final, le dernier moment, et nous voudrons prendre un travail ici en France. Moi, j'ai continué notre aventure ici. Mais la pandémie présentait, et alors ces plans, et ce n'est pas possible à ce moment. Alors, je voudrais, avant d'être officiellement un professeur à l'Espagne, faire tout ça que la pandémie est tombée. Et je suis avec les biches, mon activité c'est avec la maison familiale rurale de Saint-Renan. C'est un modèle alternatif d'éducation et c'est très intéressant. Et pourquoi je pense que je tiendrai un autre moment pour profiter et comprendre un système différent comme ça avec ces. Et avec si peu de distance dans les classes. Je suis un mélange d'assistants de conversation, volontaire dans les centres si c'est nécessaire de faire quelques ateliers ou je voulais proposer quelques cours, je pourrais faire. Mais la majorité part des thèmes, je suis avec les professeurs et coordonner les activités avec eux. Et avec chacun, j'ai une relation différente, avec chacun, nous faisons des choses différentes. Mais c'est ça, la majeure part du temps dans les classes avec les élèves. Et pour moi, la meilleure part de ça, c'est l'environnement, le télétravail. Les activités sont bonnes, j'ai fait théâtre avec les élèves et cuisine aussi, mais c'est le bon environnement de tous les professeurs qui sont là, ils sont beaucoup professionnels, chacun avec la personnalité de chacun. De voir beaucoup de différents styles. J'ai mon style aussi, puis je suis ici pour voir et apprendre, nous pour enseigner à l'autre professeur qu'est-ce qu'il a de faire. Et alors, cette pluralité, pour moi, c'est le très bon. Et je préfère n'être pas spectatif chaque fois ou chaque chose que j'ai fait dans ma vie. Et pour ça, je pense que c'est beaucoup profitable pour que chaque occasion, quelque chose de différent. Et voilà l'aventure. Nous savons à l'Espagne et à tout le monde et beaucoup de clichés de la jeune française. Mais ce qui dit que les Français ne jouent beaucoup, c'est complètement faux. Et ici à Bretagne, ce n'est pas France, c'est une extension de France, c'est merveilleux. Tout le monde, toutes les Bretagnes et les Brestois et sont personnes exemplaires et très proches et avec et chaque problème et s'empré calmer et s'empré parler avec et beaucoup de gentillesse et je suis incroyablement confortable ici. Je dirais à chaque personne que si vous voulez aller à la France, probablement et c'est le lieu pour aller. Chaque part de Bretagne, mais aussi Brest, c'est très beau pour que vous êtes la ville, et vous êtes dans la ville, et vous pourrez explorer à l'intérieur. Oui, mieux que la côte, les forêts, les bois, les forts de Kempel, les
partez vers vous, allez derrière, que c'est le lac Penfell et les voies de Kerwal et GM du marché. Et tout cet extérieur, c'est comme la Galicia espagnole. Et c'est très, très intéressant et joli. Mais c'est la nature, c'est la gemme, c'est le prix que c'est bon de vivre ici. Et je ne sais pas, j'aime beaucoup Evreux et Fretin, je ferai le possible pour être un autrien. Du coup, je pense que c'est une expérience très, très bonne. Je voyage et à ma. Avec mes moyens quand j'allais passer, et l'expérience d'être immigrant à un autre lieu, l'expérience de voir la merde que tous les pays donnent à toi, et il y a beaucoup d'expériences qui étaient enseignées, beaucoup. Cette expérience, je vivrai à l'Erogia Unite. Alors, vraiment, c'est seulement passer le temps, aller un temps formidable avec toujours et disfruter de la vie. Pour moi, c'est toujours après, je vois que une nouvelle différence ici avec l'éducation, mais à la générale, et je sens que c'est beaucoup comme une part de vivre la vie, beaucoup qu'une part d'apprendre de la vie.